Dans les maisons familiales rurales, l'apprentissage de la vie sociale est essentiel. Elles orientent en conséquence le travail éducatif des jeunes en leur fournissant des repères, en sollicitant la responsabilité, en éveillant la curiosité et en développant l'autonomie. Nous sommes à la MFR de Taha'a. Aujourd'hui est un bien grand jour car ce matin, 6 sur 10 élèves viennent de décrocher leur DNB et l'on note également 100% de réussite en CAP cette année. Tous se verront remettre leur diplôme par les autorités communales de Taha'a ainsi que des mains des élus de Taputapuatea venus pour l'occasion. Familles et proches ont été conviés à cette grande journée de réjouissance. Les MFR ont été créés en Polynésie française par nos anciens qui sont Roger Doum et M. Le Hartel dans le but justement de donner une seconde chance à ceux qui ne veulent plus continuer leur cursus scolaire normal. Donc à partir de ce moment-là, la première MFR a vu le jour et a été construite à Aveirao. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 8 MFR qui sont éparpillés un peu dans les différents archipels de la Polynésie. Maeva est originaire de Taputapuatea et elle vient d'obtenir son CAP en apiculture. Cela faisait 15 ans qu'elle avait quitté les bancs de l'école. J'ai quitté l'école, j'avais que 17 ans. Et là, j'en ai 32. Juste avant, on faisait notre rythme. Et bon, on faisait en alternance. Hein. On était en stage dans notre île. On venait ici une semaine ou des fois deux semaines. Bon, quand on est ici, on faisait l'apiculture et l'agriculture. C'est la théorie alors ? La théorie et la pratique. Et on faisait la pêche aussi. En tout cas, on a appris beaucoup de choses, même en agriculture et surtout en apiculture. Un jour à la maison, il y avait des personnes qui sont venues me voir qui disent « Ah ben Justine, il faut que tu ailles à l'MFR pour passer un concours. » Ben du coup, je suis arrivée et voilà. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et donc ça fait déjà 2 ans que tu... Oui, 2 ans. J'ai 1,17 hectare déjà planté, cultivé, ananas, comment dire, culture vivrière. Ouais. Avec mon père, c'est mon père qui est tout le temps avec moi. Est-ce qu'on s'en sort avec l'agriculture aujourd'hui ? Oui. Moi je dis oui. Dans les MFR, cette spécialité par alternance permet à l'enfant de suivre une semaine de cours théoriques et 2 semaines la pratique soit chez eux, soit dans une entreprise privée ou soit dans les communes pour parfaire le savoir-faire et surtout la tendance à la pratique manuelle et dans le monde de l'agriculture. Toutes les maisons familiales rurales ont un statut associatif identique, une même vision de l'éducation et de la même pratique de la pédagogie de l'alternance. Par contre, elles réalisent leur formation dans des cadres juridiques variés selon la nature des qualifications ou le public auquel elles s'adressent. En Polynésie française, il faut compter environ 450 élèves pour 8 établissements, des chiffres qui ont tendance à se stabiliser depuis quelques années. La direction générale souhaiterait quant à elle voir ces chiffres évoluer dans les années à venir, car il y va de la survie de ces établissements, étant donné que les recettes des MFR varient en fonction du nombre d'élèves inscrits. Ici, l'école dispose d'un internat pour garçons et pour filles. Un espace privilégié d'ouverture socio-culturelle, de compréhension et de respect de l'autre, mais aussi d'initiation à la vie en collectivité et en groupe. Un point très important dans l'apprentissage chez ces jeunes scolarisés, selon le directeur de cet établissement. Transmettre le sens de l'engagement au service de l'intérêt général, le sens de la responsabilité et le goût d'entreprendre, donner à chacun, quel que soit son milieu d'origine et ses aptitudes, la chance de se former et de devenir acteur de son milieu,
en accédant au savoir-faire, mais aussi au savoir-être. Voilà ce qui anime le travail des responsables et de l'équipe pédagogique dans la maison familiale rurale de Faaha. Donc la plupart de nos élèves qui sont ici, c'est des élèves qui ne vont plus à l'école et on ne va pas aller empiéter dans les autres établissements. Donc s'ils ne veulent plus aller là-bas, donc c'est surtout l'information au niveau des parents. Des parents qui viennent écouter, et après cela, s'ils ont intéressé, eh ben, ils viennent. S'ils n'ont pas intéressé, ça c'est, il y a les, tu vois, les établissements qui sont à côté, hein, donc voilà. Bien que la MFR de Taha soit un établissement plutôt modeste, à entendre son président, elle est située en bord de mer et jouit d'une tranquillité exceptionnelle, où il fait bon vivre. Un cadre idyllique, propice à l'apprentissage. C'est sans aucun doute ce qui caractérise cet établissement, mais surtout qui fait la réussite et la fierté des élèves qui y ont séjourné. J'étais au LEP, au lycée professionnel de Touroua. De Touroua ? Oui. Okay. Et ensuite de là, tu es venu ici au MFR ? J'ai quitté la première okay. pour venir ici. Et pourquoi ? Ça me plaît ici. On fait la pêche, on fait le faabou, enfin tout ce qui est notre culture quoi. J'ai voulu m'orienter pour apprendre un métier. Pourquoi là, continuer jusqu'au bac, c'est pas évident ? Non, c'est pas évident car beaucoup de gens ont un bac et ils n'ont pas de travail. Donc c'est mieux de venir ici déjà apprendre à faire le faabou, faire la pêche. Là, bon, tu es sûr que tu vas pouvoir te nourrir plus tard. Tu crées toi-même ton propre business. Oui, tu peux créer ton propre business, quoi. Je dirais bien à toute personne qui voudrait passer un CAP, bien sûr, ou autre chose, pour, comme il y a une autre formation CAE, c'est les IP. C'est pour faire leur entreprise, une insertion à l'emploi, à l'entreprise, à leur business. Ben, c'est bien pour eux de venir ici. Merci beaucoup. Ça va les aider pour l'avenir plus tard. Ici, il y a des élèves qui ont eu la DNB. Et je viens d'apprendre aussi, il y a eu au moins une quinzaine d'élèves, 17 élèves qui ont eu le CAP 100%. Et je comprends maintenant pourquoi. Ils ont une autre méthode d'enseignement. C'est-à-dire qu'une partie, il y a l'enseignement général dans les cours, mais il y a la moitié, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, je pense que c'est là qu'ils ont rattrapé. Donc, je prends un exemple sur les calculs, sur les mathématiques, sur les français et tout le reste. Ils apprennent combien de superficie, combien tu peux moindre le nombre de plans, et quelle est la production de chaque plan sur, par mètre carré, au nombre de surfaces. Et je pense que ça, une vraie mathématique sur le terrain. Et avec ça, avec l'enseignement à l'école, je pense que ça va de pain pour pouvoir réussir la preuve aujourd'hui. Comme j'ai dit, il n'y a pas de secret. Voilà la réussite de ces élèves-là. Donc je les félicite. Chaque année, la MFR de Taha dispose d'un budget d'environ 500 000 francs par élève. Certains d'entre eux peuvent aussi prétendre à une bourse, ce qui fait d'eux des privilégiés, puisque grâce à cette bourse, ils sont aussi équipés selon les filières qu'ils auront choisies. Chaque enfant qui a la bourse, c'est à partir de cette bourse-là, c'est calculé leur prime d'équipement. Il y a une prime d'équipement dans la bourse, on achète, c'est des broussailleuses, là, comme tu dis, et après on distribue, et non pas pour l'école, hein, ça va aller chez la famille. Donc cet élève-là peut travailler avec tous ses matériels. Les primes d'équipement, ça c'est
on ne peut pas enlever. C'est pas question, ouais, on est en train de pétard les gens. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas un cadeau pour les élèves, c'est un dû. C'est un dû. Hein? Donc on est obligé, suivant notre statut. Bien que certains obtiennent leur bourse et d'autres pas, à la MFR où l'on cultive les valeurs de partage et d'entraide, tous partiront avec du matériel professionnel. Vous l'aurez compris, plus de la moitié des élèves à la MFR de Taha'a sont originaires de la commune de Taputapuatea, d'où ce déplacement en masse des parents et leurs enfants à cette journée organisée en leur honneur. Le maire de Taputapuatea, dans son allocution, n'a pas manqué de rappeler son projet de construction d'une maison familiale rurale dans sa commune, mais cette fois avec une petite touche supplémentaire, un établissement qui s'inscrirait dans l'écologie. Un projet qui ne date pas d'hier en tout cas. Vous savez que j'ai déjà fait les démarches il y a quelques années de cela, ça a été accordé. Je pense qu'on va travailler maintenant avec le pays pour la construction du bâtiment, le foncier et tout ça. Je pense que d'ici quelques temps, on pourra construire cette école, non pas uniquement pour Topdopo, mais pour l'île de Réaté, parce qu'il y a Toumara et Outourou. Hein. Et Faroa, ce sera la bienvenue, parce que nous avons plus de 1650 hectares qui appartiennent au pays. On peut trouver quelques hectares attribué à cette école MFR. Et l'objectif pour moi, c'est de pousser une maison familiale rurale écologique, l'école de la vie. Voilà un peu l'objectif, parce que je sais qu'il y a pas mal d'élèves qui ne vont plus à l'école, qui sont au bord de route. Il faut les rattraper, ces élèves-là. C'est vrai, il y a eu des formations, le CFPA, tout ça, mais chacun son domaine. Dans la maison familiale rurale, donc on apprend tout ce qui est la base, la culture maraîchère, l'agriculture, la pêche, l'artisanat, l'élevage. Donc, c'est le quotidien. Donc, vous confirmez à Tavanataha que vous ne serez pas en concurrence avec le MFR d'ici? Au contraire, je pense que dès qu'on va construire, le jour qu'on va construire une école à Réatea, on va travailler ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier, Taha et Réatea, ce sont les deux jumeaux. Donc, on ne peut pas se nous séparer. On va travailler ensemble avec Réatea. Des choses que nous n'avons pas sur Réatea, on viendra sur Taha et ainsi de même de Taha sur Réatea. Vous connaissez M. Moutam, hein, le maire de Taputapuatea. Il est tenace et il n'a pas abandonné l'idée. Et l'idée de faire une MFR écologique est vraiment une idée nouvelle qui intègre toute la technique bio qui pourrait s'intégrer dans la formation des élèves qui fréquenteront lorsque cette école sera ouverte. Donc je pense que pour l'année prochaine, une nouvelle tentative de sa part serait certainement faite. Et en tous les cas, je suis très favorable à l'ouverture d'une école MFR écologique en Polynésie. En attendant que ce projet émerge à Taputapuatea, ici, à la maison familiale rurale de Taha'a, la vie reprend son rythme. L'éducation de ces jeunes en perte de repères, mais désireux de s'en sortir, reste la priorité. Si les vacances peuvent désormais commencer, les familles ont pu reprendre la navette tranquillement, avec le souvenir d'une journée enrichissante passée auprès de leurs enfants.